Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la seconde saison de Le Roi de l'Histoire. Alors un petit retard, on est absolument désolé, il y a eu un petit problème technique qui nous a un peu inquiétés, mais bon, on a réussi finalement à résoudre ce problème et je remercie Yannick Martiquet, Marine Alexandre qui ont assuré l'accompagnement de ces difficultés et qui suivent la chaîne Twitch depuis maintenant quelques mois. Ils sont toujours présents, notamment quand on en a besoin. Alors, ce soir, je suis très heureux d'accueillir Louis Baldasseroni qui est maître de conférence en histoire contemporaine et non en histoire moderne, comme je l'ai écrit par erreur. Mais ça, c'est un défaut hein, des médiévistes. Voilà, on a l'impression qu'après le Moyen-Âge, c'est tout la même chose, alors que pas du tout. Louis est donc un spécialiste des transports, de l'histoire des transports et notamment du train, et c'est du train dont on va parler ce soir, de l'histoire des chemins de fer. Et vous voyez que Louis est venu en tenue. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la tenue que tu nous présentes? Ouais, bah bonsoir à toutes et tous déjà, puis merci Nicolas pour l'invitation. C'est vraiment chouette, voilà, de venir parler comme ça sur une chaîne voilà un petit peu. Enfin voilà, ça varie, c'est un petit peu informel, c'est en mode... C'est un peu différent de ce qu'on a eu, hein, parce qu'on est passé là, de l'histoire du terrorisme à l'histoire du train, donc les choses sont un petit peu différentes. Ah, en termes thématiques, ouais, c'est sûr. Même si, bon, il y a eu du terrorisme contre les trains, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais... Ouais, peut-être encore, je suis pas tout à fait spécialiste de ça, mais effectivement, moi je suis spécialiste donc, d'histoire des transports et des mobilités. Voilà, bon, là je suis venu habillé en cheminot avec un costume composite, mais sinon, bon, je peux aussi bien te parler voiture, tramway et transports urbains de manière générale, c'est ma spécialité première. Là, sur le costume, déjà, il faut que je remercie d'autres personnes, à savoir les gens du musée du chemin de fer de Nîmes, en particulier Jean-Paul Pignède, donc président fondateur du musée. C'est eux qui m'ont prêté les éléments de costume et puis deux, trois petits objets dont je vous parlerai peut-être au cours de l'émission. Voilà, c'était histoire d'illustrer un peu les choses, et puis parce que j'aime bien rendre le truc un petit peu vivant, voilà. Ben oui, je suis convaincu que ça va être très vivant, justement, donc on voit, hein, alors je sais pas si on voit très bien à la caméra, donc les petits ouais. SNCF cousus. Il faudrait zoomer, effectivement. Il faut un petit peu évoluer depuis l'époque, mais même sur les boutonnières. Il y a les boutons SNCF, voilà. Grande classe, et puis oui, il est très courageux, super. Parce que c'est, on ne le voit pas forcément à l'écran, je pense, mais c'est une veste qui m'a l'air très chaude. C'est super chaud. C'est une veste... Je ne sais pas, je supposais que ça pouvait être une veste de chef de gare Cévenol ou de roulant, genre tenue d'hiver, parce qu'effectivement, c'est bien épais, ça tient bien au corps, c'est bien résistant aussi. Ouais, c'est voilà. Costaud. Ouais. C'est du costaud costume. On va justement parler de costaud, on fait une transition, puisqu'on va parler donc du train bien sûr, mais on va commencer peut-être par parler du chemin de fer, de la voie ferrée avant tout. Alors est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, pourquoi on a voulu construire ces voies ferrées avant même d'y mettre des locomotives? Bah c'est ça, justement je trouve que là ta question elle est bien posée, parce que on dit souvent, ben voilà, le train, et on assimile le système ferroviaire aux machines qui roulent dessus. Mais en fait, la principale innovation et ce qui fait l'avantage du train par rapport aux autres modes de transport, c'est pas le train en lui-même qui est juste un véhicule, c'est les rails. Voilà. Et en l'occurrence, le principe de ce qu'on appelle le transport guidé, c'est-à-dire en l'occurrence guidé par deux morceaux de fer soigneusement parallèles avec un écartement constant sur le parcours. Et c'est le principe du rail donc, qui fait l'innovation. Historiquement, les premières voies ferrées en tant que telles, c'est-à-dire le premier moment où on a collé des rails sur le sol pour transporter des choses, on doit remonter dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et on transportait quoi alors? Et on transportait surtout des produits lourds, voilà. Des pondéreux et notamment des produits miniers, surtout le charbon. Parce que donc, 18e siècle, et puis encore plus sur le 19e, dont on va parler ensuite, on est en pleine période de révolution industrielle. Et le charbon, c'est le combustible essentiel pour faire fonctionner les usines, pour chauffer les foyers, etc. Donc, y a d'énormes besoins, et il y a besoin de transporter d'énormes quantités de charbon. Et ça, bah,
sur des voitures tirées par des chevaux, c'est un petit peu galère à faire. L'avantage du rail, donc, c'est que déjà, y a une voie plus stable qu'une route. C'est-à-dire, le principe de la voie ferrée, bon, c'est pas juste deux traverses en fer, en fait. C'est deux traverses en fer, enfin, c'est deux rails parallèles, avec, de manière perpendiculaire, ils sont soutenus par des traverses qui étaient en bois au départ, qui sont en béton aujourd'hui. Et entre ces traverses, on a un ensemble de gros cailloux, là, du gravier pas très fin, qu'on appelle le ballast, tout ça est destiné, en fait, à stabiliser le terrain. Et ça permet justement de faire circuler des véhicules avec des charges très lourdes sur un sol qui reste stable. Voilà. Ça reste droit. Et du coup, ça permet donc aussi le rail par rapport à la route d'avoir moins de frottement. C'est-à-dire que votre wagon, ce qui va contenir vos produits, glisse. Les roues de ces premiers wagons, c'est de l'acier déjà ouais. Pour qu'il y ait le moins de frottement possible, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors en fait, techniquement, le truc du transport guidé, au départ, ils avaient testé avec des rails en bois. Sauf que on pouvait pas transporter grand-chose vu que c'était brisé très très vite. Voilà. D'accord. Et les tout premiers, d'ailleurs, l'explication du décalage chronologique entre les premières voies ferrées en tant que telles, 18e, et les premières voies ferrées ouvertes au transport de marchandises et de voyageurs qui apparaissent seulement au début du 19e. La toute première voie ferrée capable de vraiment transporter des produits au monde, c'est 1802 en Angleterre. Ce décalage-là, il s'explique parce qu'on a eu des progrès dans la résistance des aciers. Au 18e, vous mettiez un chargement de charbon plein sur les rails. Dès que vous preniez un petit peu de vitesse, la force était trop forte et le rail cassait. Ouais, parce que c'était pas de l'acier, c'était encore du fer. Donc au départ, ils testaient avec de la fonte. Ouais. Voilà, et puis je pense qu'il y avait une question de qualité, de minerai, de pureté, etc. Et donc il y a eu des progrès de ce côté-là. On a fait des aciers de plus en plus résistants, ce qui a permis de pouvoir transporter concrètement ces charges. D'accord. Mais donc le début du chemin de fer, c'est du transport de matériaux, c'est vraiment à vocation industrielle. C'est du transport minier et c'est à vocation industrielle. On n'a jamais envisagé à ce moment-là de transporter des passagers. Alors on l'envisage, mais c'est dans un deuxième temps. D'accord. En fait, c'est une question de rentabilité du truc. C'est-à-dire que nous, on a l'image aujourd'hui du chemin de fer comme un service public, voilà, qui transporte des voyageurs, qui transporte des marchandises, avec aujourd'hui une branche voyageur qui est beaucoup plus rentable et beaucoup plus utilisée que les marchandises. Mais au départ, les débuts du chemin de fer, ce n'est pas un service public, c'est des compagnies privées. Autrement dit, des entreprises qui ont pour but d'être rentables, de tirer des revenus de ces chemins de fer. Et puis, pour mettre des voies, c'est d'énormes investissements. Donc les entreprises, pour avoir un retour sur investissement, et pour en gros pas trop prendre de risques, préfèrent transporter des marchandises parce qu'il n'y a pas de saisonnalité. Voilà, le charbon, vous en avez besoin toute l'année, un peu plus en hiver, mais il s'en transporte toute l'année. Et puis, vous avez une clientèle captive. C'est-à-dire que votre usine, où vous allez faire tirer une voie ferrée devant, clairement là, vu l'avantage comparatif du train par rapport à la route, c'est bon, vous aviez une clientèle fidèle, constante, toute l'année. Ouais. Et c'est des entreprises spécialisées dans ce transport ou c'était les entreprises justement d'extraction qui construisaient des voies ferrées ? C'est les entreprises d'extraction. D'accord. Typiquement, ici, une des premières lignes du Gard, c'est la ligne... Alors la toute première, c'est entre Nîmes et Beaucaire pour la foire. Mais le parcours, en fait, l'idée, c'était de faire Beaucaire-La Grand-Combe. Et oui, pour le charbon. Voilà, avec la compagnie des mines de La Grand-Combe qui crée une compagnie de chemin de fer pour faire les voies. D'ailleurs, ça pose quand même des difficultés techniques, j'imagine, parce que de la Grand Combe à Nîmes, alors il y a des Nîmois qui nous regardent, il n'y a pas que des Nîmois qui nous regardent, mais la Grand Combe, c'est déjà le début des Cévennes, c'est ça. Bientôt, quoi. Ouais. Et ça explique d'ailleurs que la portion Nîmes-Beaucaire ait été finie avant la Grand Combe Nîmes. Parce qu'elle est plate et parce qu'il y a eu moins de difficultés, moins de retard des travaux. Mmh. À l'origine, je crois que ça devait être inauguré à peu près en même temps, et il y a eu 2 ans de battement. Et donc là, la Grand Combe Nîmes, c'était... Il y avait des chevaux au début, ou on a tout de suite basculé sur la machine à vapeur? Alors ça, honnêtement, j'en sais rien. De manière globale, effectivement, au départ, les premiers chemins de fer, c'était tiré par des chevaux.
on a l'image, nous, du train à vapeur, mais les tout premiers, il y avait des chevaux. Assez rapidement, quand même, on est passé à la machine à vapeur. Tout simplement, c'était le temps, en fait, de trouver des machines à vapeur fiables. Ouais. Et puis, parce que les chevaux étaient finalement très, très vite épuisés. Ouais. Alors là, on arrive donc au train lui-même, donc la machine à vapeur à l'origine. Donc la machine à vapeur, on le rappelle, hein, c'est une machine qui a une vocation industrielle avant de la mettre sur des roues. On l'utilise notamment dans le textile, on va l'utiliser également dans l'extraction. Enfin, c'est la vraie machine révolutionnaire, quoi. La machine des machines, comme on l'appelait. Elle est mise au point en Angleterre. Le repère chronologique, c'est James Watt, 1784. Dans la pratique, il y a eu différents systèmes. Et donc, on la met sur des roues à partir de quand ? Et on la met sur des roues, en fait, à partir de fin du 18e. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que fin du 18e, on est capable de faire une machine à vapeur sur des roues, mais on n'est pas capable de faire des rails assez résistants. Ouais. Il y a eu une tentative, d'ailleurs, je crois, de machine à vapeur sur des roues pour faire un véhicule automobile. Parce que on essaye un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de lui mettre des roues en bois et d'essayer de la faire rouler sur une route normale. Ouais. Bon, et concrètement, ça ne marche pas trop. Ouais. Parce qu'une machine à vapeur, c'est très très lourd. C'est ça. Et puis, il faut du combustible. Trimballer le combustible en permanence, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et donc, finalement, on la met sur des rails. Donc là, en Angleterre, ça commence en Angleterre. Ça commence en Angleterre, notamment parce que l'industrie des machines à vapeur, c'est... Angleterre est vraiment leader, très en avance, en gros, sur au moins toute la première moitié du 19e. D'accord. Voilà. Et donc en France, ça commence à arriver dans les années 1830, à peu près. Ouais, c'est ça. La toute première ligne en France, c'est d'ailleurs une ligne minière entre Andrézieux et Saint-Étienne, 1827. Voilà. Le principe, c'est d'aller transporter du charbon des mines d'Andrézieux jusqu'à Saint-Étienne. Jusqu'à la grande ville, où là, on transbordait ça sur des péniches, sur la Loire. Et hop là, quoi. Ouais, d'accord. Et donc là, c'est pareil, on retrouve exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des voies qui sont utilisées à vocation industrielle avant tout. Voilà, les mines d'abord, les voyageurs après. Ouais. Et les voyageurs, ça arrive quand je me souviens, il y avait cette fameuse ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye, je crois, qui est une des premières. Ouais. Où là, du coup, il y avait un petit peu moins d'industrie. Mais globalement, en fait, ça arrive assez vite. Typiquement, sur les lignes, les toutes premières, donc en gros entre Lyon et Saint-Étienne, ou autour de Saint-Étienne, donc 1827, premier train marchandises, et 1830, premier train voyageurs. Ah oui, ça arrive tout de suite. Voilà, d'accord. Entre Givors et Rive-de-Gier. Donc on est sur des périodes, en fait, où ça change très très vite. Ouais. C'est-à-dire que sur 3, 4, 5 ans plus tard, on pouvait lancer des circulations voyageurs. D'accord. Après, pas non plus avec des horaires super réguliers et des embarcadères bien constitués. La première arrivée à Lyon des voyageurs, en fait, c'est sur un quai de marchandises avec un gars qui est là avec un sac pour vendre des billets, quoi. Ouais, d'accord. Il y a un petit côté improvisation, artisanal. Il y avait des inquiétudes, je crois, sur les premiers voyages. Il y avait des gens qui avaient peur de cette nouvelle machine. Oui, parce que mine de rien, ça allait vite. Et puis la vapeur, c'est pas mal producteur de nuisances. Ça fait du bruit, ça fait de la fumée, ça fait... Voilà, il y a de l'eau qui coule un petit peu partout. C'est quand même des machines infernales, un peu pour certains. C'est des machines infernales, c'est des machines où aujourd'hui on a plus forcément l'habitude. Là, samedi dernier, au musée du chemin de fer, donc à Nîmes, ils ont accueilli une nouvelle locomotive à vapeur. Ils en avaient déjà une, et là, il y a une locomotive, donc la 140 C27, parfaitement roulante, qui est arrivée au musée et qui a en fait pour ambition de pouvoir rouler sur toutes les voies du réseau ferré national. Et l'arrivée de cette locomotive à vapeur, c'est impressionnant. Ouais. Voilà, on est loin du silence de nos TER d'aujourd'hui. Ouais. C'est clairement, on l'entend arriver, il y a une chaleur qui se dégage qui est absolument monstrueuse. Enfin, c'est des... on peut comprendre qu'effectivement, au départ, ça a pu un petit peu faire peur. Ouais. Plus l'aspect risque. Parce que si la chaudière explose... Oui, et les accidents, j'imagine, sur les premiers temps, c'est des choses qui arrivent quand même. Ouais, ça peut. De toute façon, les machines à vapeur donc ferroviaires, comme les machines à vapeur industrielles, ont été très tôt soumises à des réglementations. Ah oui. Voilà. Et ça, alors, je t'en dis un petit peu là en mode teaser, parce que ça pourra peut-être faire une partie de mes recherches ultérieures. D'accord.
Donc voilà, là je suis en début d'un nouveau projet de recherche, donc je ne t'en dirai pas plus sur ces réglementations de risques ferroviaires, mais ouais. C'est pas impossible que je creuse la question dans les années à venir. Ouais. D'accord. Ok. Alors, l'apparition du train va avoir l'apparition du train, bon, de marchandises on l'a compris, et puis du train voyageur va quand même avoir assez vite un effet sur le réseau. Qui va grandir de manière assez rapide pendant le 19e, si on se limite à la France. Hein. Donc on y trouve son compte. Alors c'est quand même les compagnies privées qui gèrent complètement ça. Hein. Oui, en fait c'est des compagnies privées, pour la plupart du réseau ferroviaire, jusqu'en 1937, plus exactement jusqu'au 1er janvier 1938, qui est la date de création et d'entrée en fonction concrète de la SNCF qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Qui est le fruit d'une nationalisation d'un certain nombre de compagnies. Qui est le fruit, voilà, à la fois d'une fusion de compagnies ferroviaires sous l'égide de l'État. Donc ils en ont profité, ils ont tout fait en une fois, fusion plus nationalisation. Et c'est à partir de là que vraiment il y a une politique de faire du train un service public. D'accord. Et donc auparavant, c'est vraiment un service commercial Et auparavant, c'est du service commercial avec des compagnies qui développent leurs différents réseaux régionaux. Voilà, donc ici, par exemple, on avait la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Voilà, non, Paris-Lyon-Marseille, c'est l'erreur, c'est une erreur commune, mais non, Méditerranée, ça allait jusqu'à Nice et du coup jusqu'à Nîmes aussi, voilà, Montpellier, tout ça. Il y avait aussi les chemins de fer du Nord, donc Lille, Dunkerque, etc., Paris-Orléans, les chemins de fer du centre. Qui correspondent à ces fameuses six gares parisiennes qui étaient à des terminus pour les grandes compagnies qui se partageaient le territoire national. Ouais. Mais alors, c'est assez intéressant parce que, évidemment, on voit bien les grandes lignes, les grands axes vers les principales villes de province. Mais bon, n'importe qui s'est promené un petit peu française, c'est qu'il y a des petites voies, ou en tout cas des souvenirs de petites voies. On voit des ouvrages d'art un petit peu partout dans les campagnes, notamment dans les zones un petit peu vallonnées. Ces lignes, a priori, on a plus de mal à voir la rentabilité de ces lignes. Pourquoi est-ce qu'on est allé construire des lignes qui vont rentrer dans les zones de montagne? Il y avait un intérêt financier quand même pour ces compagnies d'aller construire ces lignes, ou elles ont été un petit peu poussées, incitées par le pouvoir public? Non, alors de toute façon, il y avait un petit côté risque financier. Ouais. C'est-à-dire que bon, d'aller tirer des lignes à droite à gauche, c'était de toute façon un risque. Bien souvent aussi, ces lignes-là, donc on appelait le chemin de fer d'intérêt local, par opposition au chemin de fer d'intérêt national, donc les dites grandes lignes, c'était souvent aussi relié au chemin de fer urbain, en l'occurrence le tramway. Ouais. Voilà. D'où le fait que on n'est pas les mêmes machines. Ouais. Sur les différents réseaux. Et souvent, enfin moi, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas pour le cas de Lyon, on avait des compagnies qui faisaient des chemins de fer donc d'intérêt local en allant un peu desservir des territoires ruraux, et puis qui, quand même, arrivaient à pénétrer dans la ville et, en fait, comptaient surtout, du point de vue rentabilité, sur la partie urbaine du trajet. Bien sûr, ouais. Et puis ensuite, bon, il y avait un côté desserte du territoire qui était d'une rentabilité assez un peu plus aléatoire. Ouais. On va dire. Et l'État intervient là, à ce niveau justement pour essayer justement d'encourager ces... L'État intervient. Bah, de toute façon, l'État a dès le départ et pour toutes les lignes de chemin de fer un certain pouvoir parce que ça fonctionne sur le principe de concession. C'est-à-dire qu'une compagnie qui veut créer une ligne de chemin de fer doit demander l'autorisation à l'État et c'est l'État qui concède le droit de faire circuler des trains, tel type de train, avec telle fréquence, etc., sur tel ou tel parcours. Mmh. Voilà, c'est pas non plus open bar sur le territoire, sinon on aurait peut-être été couvert de voies ferrées. Ouais. Et donc l'État a une capacité de contrôle comme ça. Et puis surtout, l'État, dès le Second Empire, dans les années donc 1850, 70, puis ensuite dans l'entre-deux-guerres, vole au secours de compagnies déficitaires. Bah, typiquement, la SNCF 1938, un des motifs de cette nationalisation, c'était en gros d'éviter que toutes ces compagnies, on est dans la crise économique des années 30, fassent faillite. Oui, il y avait eu le même principe pour l'aéronautique, je crois, avec Tout la à création fait. De la France. Avec Air France, ouais. D'accord. Et après, alors, dans la même période. On voit qu'il y a du contrôle. J'imagine aussi qu'il y a des réglementations parce que... La taille des rails, l'écartement des rails notamment, c'est un vrai enjeu. Je crois qu'il y a encore des problèmes aujourd'hui. Quand on passe d'un pays à un autre, des fois, il y a des
les écartements ne sont pas les mêmes. Oui, tout à fait, parce que le standard de rail de grande ligne, c'est du standard britannique. C'est 1 mètre et 44 cm, plus exactement 1 mètre 435. Alors qu'il y a eu donc, des standards ensuite français et américains de voies d'un mètre de large. Oui. Et du coup, bon, c'est un petit peu compliqué de concevoir des trains à deux essieux pour s'adapter, s'adapter à ces types de rails. Donc ouais, aujourd'hui, ça peut poser un petit peu problème. Et puis, on a aussi des différences en termes de signalisation. Voilà, quand c'est pas les mêmes panneaux d'un pays à un autre, c'est un petit peu compliqué. Oui, ce qui crée des difficultés sur les trains internationaux, transnationaux. Ouais, ça peut. Et donc, à cette époque, au 19e siècle, en tout cas, au moment où on va construire massivement des voies ferrées, l'État impose un type, un standard vraiment bien précis, un standard français sur tout le territoire. C'est pas forcément l'État qui impose, pour le coup. Au 19e, c'est plutôt les compagnies. Mmh. Voilà. Et après, par la suite, par contre, dès que la SNCF devient étatique... Oui, là, les choses sont nettement plus claires. On avait annoncé sur cette émission, donc on parlait des voies ferrées et de leur patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est ce patrimoine de l'ensemble ferroviaire, du réseau ferroviaire? Bah ça, voilà, au final, ce patrimoine, je dirais même ces patrimoines, je mettrais bien la chose au pluriel, il y a effectivement le traditionnel patrimoine bâti. Bon, les gares, les infrastructures voyageurs, ou pas voyageurs d'ailleurs, diverses et variées. Aujourd'hui, il y a par exemple un programme lancé par la SNCF de patrimonialisation des vieux postes d'aiguillage. Mmh. Voilà. Parce que on constate qu'ils sont en train de disparaître, on les démolit, et c'est des choses dont on veut sauvegarder quelques témoignages. Bon, ça c'est le patrimoine bâti classique, avec des bâtiments classés monuments historiques par exemple. Et puis... il y a du patrimoine un petit peu moins connu ou un petit peu moins important peut-être dans l'esprit des gens. Typiquement, là, les costumes, les objets que j'ai apportés, on est sur du patrimoine matériel. Des choses, voilà, traces du passé qui peut être utile de garder pour justement garder une trace. Et on a aussi tout ce qui est patrimoine immatériel. En l'occurrence, la mémoire, des savoir-faire cheminots. Là, je parlais tout à l'heure des locomotives à vapeur. Bon, effectivement, les locomotives à vapeur, ça ne circule plus en France depuis les années 1970. Voilà. Dernière locomotive à circuler, c'est 75, je crois, sur des lignes voyageurs. Et c'est un savoir-faire qui est potentiellement en train de se perdre. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, l'intérêt pour l'historien, c'est aussi d'essayer de capter ces savoir-faire-là, ces traces de pratique, notamment en allant interroger les cheminots. Les anciens cheminots qui peuvent encore parler de ces pratiques-là, voilà, pour recueillir leur mémoire et puis transmettre un petit peu aux générations futures pour que, quand dans 150 ans, on va nous demander « Mais ce train-là qui crache de la fumée, mais en fait, comment ça marchait ?» qu'on puisse répondre un petit peu plus précisément que juste ce qu'on va lire dans les bouquins. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les cheminots perçoivent eux-mêmes. Je crois qu'il y a un certain nombre de passionnés qui ont des associations. Il y a des lignes qui fonctionnent avec des anciennes, des anciennes motrices à vapeur. Puis chez les cheminots, c'est absolument impressionnant l'attachement qu'ils ont vis-à-vis du système ferroviaire, vis-à-vis de l'entreprise SNCF. Mmh. Il y a vraiment un esprit d'entreprise qui est très, très particulier. Mmh. Et du coup, voilà, les passionnés, comme Jean-Paul Pignède et l'association des amis du train à vapeur de Nîmes, il y en a plein en France. Des gens qui accumulent des objets, qui en font un musée, qui ont aussi des archives qui sont prêts à mettre à disposition. C'est fabuleux. Et puis, en plus, ce qui est génial, c'est que là, ils m'ont prêté des objets pour faire l'émission, mais ils m'ont expliqué un peu à quoi ça servait. Justement, tu vas nous les montrer un petit peu, ces objets. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené? Je t'ai amené un super truc, là. Une lanterne. Ouais. Voilà. Donc, en termes de datation, il y a marqué SNCF dessus, donc on sait que c'est après 1937. Ouais. C'est de la lanterne métal, donc a priori, selon Jean-Paul Pignède, on est sur une lanterne des années 50-60. Mmh. Voilà. Parce qu'après, on est sur d'autres matériaux. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une lanterne à main qui peut être portée par les agents et à deux couleurs. Moi, ce qui m'impressionne dans ces objets, c'est le côté rationnel et minutieusement pensé du truc. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose, c'est une petite lanterne, mais on sent qu'il y a des types qui ont réfléchi des heures pour que ça soit le plus pratique possible. Là, typiquement, donc une lanterne à deux feux. Bon, vous allez me dire, c'est bête, on voit qu'une ampoule. Oui, mais
ampoule ouverte, et hop, un petit filtre rouge pour que ça puisse s'allumer en rouge. Voilà. Voilà. En l'occurrence là, ça pouvait servir par exemple à un agent de gare pour donner le départ au train la nuit. Lanterne allumée, dirigée vers le conducteur de la locomotive, c'est bon, tu peux partir. Lanterne rouge, non, reste à l'arrêt. Voilà. Et quand on m'a mis l'objet entre les mains, je dis, mais c'est quoi ce truc derrière, cette sorte d'accroche là? Parce que bon, pour le porter à la main comme ça, je me disais, tiens, ça fait un peu gros pour un clip de ceinture quand même. Oui. Et Jean-Paul Pinet m'expliquait, et en me montrant sur une des locomotives conservées par le musée du chemin de fer, que ça pouvait aussi servir à être accroché à l'avant ou à l'arrière d'une motrice quand il y avait une panne sur les phares de la motrice. Voilà, on pouvait utiliser la lanterne pour remplacer. Un feu de secours également pour les motrices. Tout à fait. C'est un ensemble de technologies et de réflexions très très pratiques. Mmh. Voilà. Où effectivement, au premier abord, on se doute pas qu'il y a tant de réflexions derrière ce petit objet tout simple. Tu nous as amené d'autres choses. Ouais. Petit objet mystérieux là. Alors j'ai amené ça. Ça, devinez ce que c'est. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs ont des idées sur ce que c'est. Oui, normalement, on le voit. On le voit bien à l'écran. Caméra, oui, on le voit assez bien, peut-être le tourner. On dirait des grosses bagues. C'est un peu une ça. Une ronde et une carrée. Ouais. Donc en ça, métal. Non, ça ne va pas très bien au poignet. C'est un petit peu petit pour une... Donc c'est en bois derrière, j'ai l'impression. Là, il y a du métal et effectivement une petite cale en bois derrière qui est une protection de sécurité. Bon. Voilà. C'est un accessoire de sécurité. D'accord. Donc ça se porte essentiel se porte, en fait. Ça, sur la ceinture peut-être. Ouais, ça se. Il y a des boîtes en fait rondes en général pour les conserver parce qu'on en a en général plusieurs par train. D'accord. Donc c'est à l'intérieur des trains qu'on va ouais, utiliser ça. C'est à l'intérieur des cabines de conduite et ouais. C'est. Et bon, il y en a aussi du côté des agents de la maintenance de la voie. Bon, il n'y a pas d'idée parmi les téléspectateurs, donc il va falloir que tu... T'as une idée, toi? Que tu révèles. Ouais, j'ai du mal à voir, parce que c'est pas fluorescent, a priori. Non, c'est pas fluorescent, c'est pas lumineux. Ouais. Pour le coup, autant dans les chemins de fer, on prévoit pas mal de trucs pour... quand c'est la nuit, voilà, il faut de la lumière. Non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des pétards de voie. Mmh. C'est-à-dire que concrètement, dedans, il y a de la poudre. Ah oui. Et ça se pose sur le rail, ça se clipse en fait, ouais. Sur le rail. Et quand un train roule dessus, avec le poids du train, ça explose. Et ça fait une bonne grosse détonation. Donc ça, c'est le conducteur du train l'entend. Voilà. Et quand le conducteur du train entend ça, normalement, c'est un réflexe chez les conducteurs de train de la SNCF, ils freinent. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux peut-être un petit peu plus loin. Ça veut dire en fait, ça sert tout simplement à signaler au conducteur du train un danger. Ouais. Qui peut être effectivement des travaux, des gens sur la voie, qui peut être aussi, ça s'utilise notamment pour ceux qui sont conservés à l'intérieur du train, quand un train est arrêté parce qu'il y a un obstacle sur la voie. Ouais. Voilà, c'est des procédures très très codifiées, et ça depuis le 19e, voilà. Ouais. C'est pour prévenir un train suivant, on va faire ce qu'on appelle une couverture d'obstacles, c'est-à-dire vérifier ou prendre toutes les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas de suraccident. C'est-à-dire, il y a un train arrêté en pleine voie, on va éviter qu'il y ait un train qui vienne tamponner par l'arrière ou par l'avant. Ou voilà. Et donc, on va aller poser ces pétards quelques centaines de mètres derrière le train, pour que quand même l'autre ait le temps de s'arrêter. Oui. Et voilà, ça va permettre comme d'éviter ces accidents. Ça évite l'accident. C'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on est au 21e siècle, l'ère de la communication, les technologies, machin, mais il y a toujours des procédures héritées des siècles précédents pour le cas où il y a une panne technologique. Donc dans les TGV aujourd'hui, il y a, il y a ce genre de choses aussi. Ouais. Ok, c'est marrant. Ça, c'est un chouette objet. Ouais. Et puis c'est un truc, moi j'ai travaillé un petit peu à la SNCF, où qu'on nous apprend. Ouais. Ça fait partie des procédures de base, d'aller d'accord. utiliser un pétard. Ouais. Il y a en plus un drapeau rouge à poser pour vraiment qu'il y ait le contact visuel et une torche à flamme rouge à allumer. Donc quand parce c'est que rouge, quand c'est la nuit, voilà. Quand c'est rouge, c'est arrêt. Hein. Ouais, c'est des signaux, simples et vraiment ça doit être de l'ordre du réflexe pour le conducteur. Ouais. Quand c'est rouge, on s'arrête. D'accord. Ouais. Quand il y a un feu rouge, on s'arrête. Quand il y a un truc rouge au loin, on ralentit, on prévoit de s'arrêter. Ouais. Ok. D'accord. Et
Et tu nous as amené une carte aussi. Ouais, alors ça, c'est une carte du réseau Voyageurs 1976, ouais. Qui était donc probablement affichée dans les trains. Voilà. Et je l'ai trouvée rigolote, cette carte, donc pareil, trouvée au musée du chemin de fer. Parce que déjà, ça montre bien la finesse de la desserte du territoire, finalement. Oui. Voilà, il y a vraiment des lignes un petit peu partout. Ouais. Alors bon, aujourd'hui, quand on regarde depuis 2021, il y a un certain nombre de lignes où, en fait, c'est maintenant des autocars. Voilà, c'est plus des trains, mais là, le maillage était encore assez fin. Et puis, il y a, avec un figuré particulier, les futures lignes à très grande vitesse. Et oui, c'était voilà. Un projet à cette époque. On parce qu'en 76, voilà, on a le TGV en ligne de mire, ouais. qui arrive en 81, ouais. Donc pour faire Paris-Lyon, plus exactement, Comble-la-Ville-Satonnet. Ils n'avaient pas encore tiré toutes les voies de centre-ville à centre-ville. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une autre page de l'histoire ferroviaire encore et qui, et oui, le TGV, qui s'est ouverte et qui continue. C'est un vrai bouleversement dans l'histoire du train. Ouais, c'est un vrai bouleversement parce que c'est une infrastructure spécifique. C'est des lignes à grande vitesse, donc qui sont distinctes du réseau classique. Oui, autant un TGV, ça peut rouler sur des voies normales, donc avec TER, marchandises, etc. Autant l'inverse n'est pas possible. Tu peux pas rouler avec un train TER sur une ligne à grande vitesse. C'est trop dangereux. Le TGV peut aller moins vite, par contre, le TER, il peut pas aller plus vite. Ouais. Et puis, on est dans la période de fin des Trente Glorieuses, où on a encore cet aspect de mise en avant du TGV comme une réussite industrielle. Mmh. Voilà. Parce que c'est la SNCF et c'est Alstom, qui est entreprise nationale à cette époque-là, française. Ouais. Donc, il y a une mise en avant de cette réussite. Festivités autour du 40e anniversaire, ouais, ça reste un fleuron de l'industrie française. Ça reste un fleuron, il y a l'aspect quête de record de vitesse aussi. Ouais. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des trains de grande vitesse. Non. Les Allemands, les Japonais, les Chinois, on n'est pas les seuls, mais par contre, on est détenteur du record 574,8 km/h. Voilà, du record de ligne à grande vitesse, ça on l'a toujours. Ouais. D'accord, on a parlé patrimoine rapidement, patrimoine bâti. Alors, il y a évidemment des gares qui couvrent le territoire national. Ce qui est assez remarquable pour quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les gares, c'est que ces gares ne sont pas toutes les mêmes, qu'on a pas mal de variétés, et puis qu'on constate également qu'il y en a certaines qui sont particulièrement soignées. Moi, ça me donne un peu l'impression, par moment, alors tu vas me dire si je me trompe, que les gares sont un peu des espèces de cathédrales, si tu veux, où les villes veulent avoir la gare, la plus belle gare, ou une gare qui se démarque un petit peu du reste. Enfin bon, on connaît tous, je ne sais pas si tout le monde connaît, si les gens ne la connaissent pas, il faut la voir, la gare de Limoges, par exemple, qui est une des plus belles, je pense, de France. Les gares parisiennes sont assez, elles sont toutes différentes, donc on connaît la gare de Lyon avec son beffroi, mais les autres sont conçues différemment. Qu'est-ce qui fait que architecturalement, on a cette diversité, alors que on a quand même des compagnies qui, avant la nationalisation, couvrent une bonne partie du territoire et pourraient très bien décider de ne pas s'embêter, de faire toujours la même gare un petit peu partout. Alors, concrètement, ils le font, mais sur les petites gares. D'accord. Quand tu regardes les petites gares de campagne, tu as des standards architecturaux. Ou des fois, ils embauchent un même architecte qui fait des plans de bâtiments très très basiques qui sont dupliqués, qui sont différents selon les compagnies. Mais par contre, sur les grandes gares dans les villes, effectivement, c'est conçu comme des monuments. Ouais. C'est conçu comme des monuments pour le prestige des compagnies. Et puis, probablement, il y a un côté aussi vitrine pour le tourisme. Parce que à partir des années 1850, c'est les débuts du tourisme. Alors, pas forcément de masse, mais en tout cas du tourisme comme pratique vraiment développée. Et le chemin de fer y est pour beaucoup. Ouais. Donc, on va construire des gares qui font bien. Où l'étranger qui vient prendre son train ou qui sort du train se dit « Waouh, quelle gare magnifique, quelle ville magnifique ouais. ». Voilà. Et c'est l'occasion aussi de mettre en avant des styles locaux. Par exemple, tu parlais de belles gares. Bon, Limoges, j'avoue, j'ai pas fréquenté, mais la gare de Metz, un style très très particulier, dans le genre néo-gothique allemand. D'accord. Ouais. Bon, forcément, parce qu'elle a été faite dans les années 1870-1880, au moment où ce territoire-là était sous domination allemande, et probablement qu'il y avait une volonté de la part du pouvoir en place de marquer cette domination dans l'espace par quelque chose de vraiment monumental. Ouais. D'accord.
Donc oui, là il y a un patrimoine qui est évidemment extrêmement riche, Oui. que soigne la SNCF à ce niveau-là. Comment ça se passe? C'est Ah, la sur les grandes SNCF, gares, c'est les oui, villes clairement. là, qui y contribuent? Alors c'est un petit peu tout. C'est-à-dire que bah, effectivement, au départ, c'est les compagnies qui sont complètement maîtresses de l'architecture des gares, qui font appel à des architectes particuliers, connus, etc. Aujourd'hui, la gestion des gares, c'est en partie la SNCF par sa branche réseau, par l'entreprise EFIA, qui est filiale de la SNCF et qui gère les gares, notamment les parkings des gares. Oui, c'est vrai. Voilà, les collectivités territoriales ont aussi leur mot à dire là-dedans, ainsi que donc communes, départements, régions, etc. Bref, aujourd'hui, quand on veut faire une gare ou rénover une gare, c'est un millefeuille d'acteurs assez incroyable. Ouais. Alors, tu me donnes justement le bâton. Quand on veut construire une gare aujourd'hui, de manière assez étonnante, on a tendance à les construire en dehors des villes. Ouais. Ça correspond à quoi, ça? Alors, ça correspond à des aspects de. Bon, du point de vue de la gare, de coût du foncier. Parce que clairement, bah, c'est aussi des gares qui sont faites pour désaturer des gares de centre-ville. Là, typiquement, le Nîmes-Pont du Gard et Montpellier Sud de France, c'est la principale justification qui a été donnée. C'est de dire que bah, Nîmes-Centre et Montpellier-Saint-Roch, à court ou moyen terme, seraient menacés de saturation. Vu le développement du trafic ferroviaire, voilà, on fait des savants calculs de prévision sur des décennies, etc. Et que donc, bah, il faudrait techniquement agrandir ces gares. Sauf que ces gares tout autour, c'est urbanisé, donc c'est pas possible, du moins en termes de coût. Donc, on choisit de les construire un petit peu plus loin, sur des terrains pas trop chers. Et tant qu'à faire, bah, on fait des voies de contournement. Voilà. Et là, en l'occurrence, le contournement Nîmes-Montpellier, c'est aussi fait pour faire gagner quelques dizaines de minutes aux Parisiens sur un Paris-Barcelone. Oui, ça Voilà. s'inscrit sur la ligne grande vitesse hein, qui Contre part. faire perdre quelques dizaines de minutes aux Nîmois pour aller attraper leur train. Oui, dizaines de minutes, t'es Ouais. gentil. Et Ouais. on perd souvent beaucoup plus. Dépendant des conditions de Et circulation. est-ce que ça fait pas perdre, bon, on s'éloigne de l'histoire, hein, évidemment, donc c'est pas forcément évident, mais est-ce que ça fait pas perdre un peu de ce qu'est l'intérêt du train finalement? Parce que l'intérêt du train, c'est qu'on puisse le prendre en ville. On le prend à Nîmes, on le prend à Lyon, même Pardieu ou Perrache, ça pose aucun problème, pour arriver dans Paris-Centre. Parce que si on veut prendre un autre transport, l'avion, il faut sortir, il faut arriver loin, il faut prendre ensuite des transports en commun pour arriver dans le centre. Donc on voit bien la différence entre des trains qui sont des trains qui arrivent en ville. Par contre, c'est sûr que quand les trains partent à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville, c'est plus pareil, quoi. C'est ça. Mais là, bah, je vais littéralement abandonner ma casquette d'historien pour prendre celle d'observateur du présent. Donc ce que je dis là, ça mériterait d'être confirmé par des recherches. Mais c'est pas impossible aussi que ça s'inscrive dans un mouvement un petit peu plus global qui a lieu depuis une bonne trentaine d'années, qui est que les gestionnaires du réseau ferroviaire s'inspirent beaucoup de l'aérien. Et donc, ce modèle-là, effectivement, de gare externalisée, ça peut s'inscrire dans ce contexte-là. Les trains low cost, pareil, les Ouigo, le modèle, c'est EasyJet. C'est service minimum, tarif minimum. Et puis, j'ai découvert des trucs bah, dans ce fabuleux bouquin, là, d'histoire des chemins de fer en France. Je En mettrai termes de pavés, on n'est pas trop mal. la référence sur Voilà. la page Facebook de Le Roi de l'Histoire. Ouais, typiquement, là où la SNCF a imité le modèle aérien, c'est sur les réservations des billets. Tu sais, pourquoi tes tarifs augmentent Oui, quand tu veux une prendre grande le train en dernière complexité, oui. minute? Bah, c'est ce qu'on appelle le yield management, et c'est une technique directement empruntée aux compagnies aériennes, et tellement empruntée que ça, j'ai appris des trucs dans ce bouquin, c'est que, et ça, c'est à partir du TGV, donc il y a 40 ans, le système de réservation des TGV, d'un point de vue infrastructure informatique et logiciel, ils ont piqué le truc à American Airlines, et moyennant quelques adaptations au ferroviaire, poum, ils ont mis ça en place. D'accord. Voilà. Et donc là, bon, ça reste un point de vue. On s'éloigne un petit peu de la logique de service public pour une logique un Oui, petit ça c'est peu plus certain. commerciale. Ouais. Voilà. Le système répondant au doux nom de Socrate, Oui, je me souviens de ce pour système Socrate. système offert à la clientèle réservation d'affaires et de tourisme en Ça Europe. c'est merveilleux. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait système offert pour les travailleurs navetteurs qui ont besoin de leur train tous les matins et C'est tous les ça, soirs. c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, donc en effet, on voit l'évolution. Après, bon, bah, chacun se fera son idée sur la pertinence de cette évolution. Moi, j'ai la mienne.
C'est effectivement différentes logiques, mais c'est ça qui est fabuleux aussi avec le ferroviaire et puis bon, avec les services publics de manière générale, c'est qu'on a des logiques qui s'entremêlent. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait jeté aux orties le modèle de service public, on n'a pas tout à fait jeté aux orties ce qu'était le fonctionnement des compagnies privées avant la SNCF. Et en même temps, là, on est sur des modèles qui s'ajoutent et qui sont imités de l'aérien. Alors, j'en venais justement à ça, ce service public qui n'a pas totalement disparu. On assiste à un retour, ces dernières années, de petites lignes qui avaient fermé et qui rouvrent. Il y en a un petit peu partout, on le voit dans la presse locale. Tout à fait. Donc là, c'est un retour d'une forme de service public. Généralement, c'est les collectivités locales qui sont derrière, la région notamment. Ouais, justement, c'est, en fait, c'est assez dépendant, ça dépend des régions. Ici, en Occitanie, on a une région qui est plutôt volontariste en la matière. C'est un choix politique, avec des réouvertures de lignes comme la ligne sur la rive droite du Rhône, là, côté Ardèche, Pont-Saint-Esprit, Nîmes, via Remoulin. Ça, voilà, ça va rouvrir été 2022. Il y a Bessèges aussi. Alès-Bessèges aussi, qui avait été fermé il y a une dizaine d'années, puis qui rouvre. Et ça, c'est effectivement volonté de la région Occitanie et financement en grande partie de la région Occitanie. Les travaux de quai, le matériel, tout ça... C'est la région. Après, quand on regarde à l'échelle de la France, on a des régions plus ou moins volontaristes selon les priorités politiques. Qui, du coup, s'inscrit aussi dans un bouleversement récent qui est l'ouverture à la concurrence. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait, par exemple, la région voisine, PACA, qui a ouvert à une autre compagnie que la SNCF, une de ses voies, je crois, à Toulon, enfin Marseille-Toulon, quelque chose comme ça. Ça, c'est un vrai bouleversement dans l'histoire, puisque... Finalement, le territoire, on l'a dit, a été quadrillé par plusieurs compagnies au XIXe siècle, jusqu'en 1937. Mmh. Mais finalement, chacune avait, d'une certaine manière, son prégardé, quoi. D'une certaine manière, oui. Après, certaines compagnies n'étaient pas tout à fait stables financièrement. Donc souvent, il y avait une valse. Et ça arrive aussi, c'est un phénomène qui se reproduit aujourd'hui dans certains cas, que la collectivité locale prenne la ligne en régie directe. D'accord. C'est-à-dire ne passe pas par une compagnie, en gros, recrute elle-même ses agents. C'est ce qui se passe, par exemple, en Corse, avec la ligne TER qui est au milieu, là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est géré par la collectivité de Corse. Ça, c'est géré par la collectivité de Corse. Okay. Donc, théoriquement, on pourra avoir, effectivement, des statuts un petit peu plus variés, histoire d'en rajouter encore dans la jungle de logique des réseaux ferrés voyageurs. Ouais. J'imagine. Donc, du coup, le train, il a encore de beaux jours devant lui, ton avis. À mon avis, oui, parce que notamment avec la montée des revendications environnementalistes depuis les années 70. Bon voilà, aujourd'hui le train a une image, alors parfois de modernité, mais je dirais que c'est pas forcément ce qui prend le pas finalement. Il y a beaucoup l'image de moyen de transport écologique. Voilà. Alors il n'est pas toujours, il y a encore pas mal de TER qui roule au. Il n'est pas toujours, mais l'évolution a quand même assez brève échéance. À horizon 10 ou 20 ans, a priori, les trains au diesel vont être interdits. Ouais. Et on va passer sur les lignes qui ne peuvent pas être électrifiées. Parce que pour être électrifié, il faut des poteaux, des caténaires, c'est-à-dire des fils aériens pour transmettre le courant. Ça coûte des sous. Sur les lignes où il n'y aura pas ces investissements-là, on aura probablement des trains à hydrogène. D'accord. Voilà. Donc, le travail là, qui est du coup un peu moins polluant, du moins en termes d'émissions. Ouais. Que le diesel. Ouais. Bon, pour produire l'hydrogène, c'est autre chose. Oui. Mais voilà, on a des bouleversements énergétiques qui vont arriver dans les quelques décennies à venir et qui vont être très très intéressants à observer. Mais en attendant, ouais, il y a l'image écolo. Et puis, je pense que on est dans une période, là encore, faudra le voir dans quelques décennies avec un peu de recul, où on commence à faire le deuil de la vitesse à tout prix. C'est-à-dire que bon, bah ok, on est capable de rouler à 300 km/h de moyenne sur Calais-Marseille. Bon, et après. Voilà. Et on se dit que finalement, pourquoi pas rouler un petit peu moins vite, mais avoir des billets un peu moins chers, ou profiter du paysage. Ouais. Voilà. Ouais, typiquement. Parce que le train, c'est un moyen de transport, mais c'est aussi un moyen de visiter le pays. Quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Typiquement, quand on regarde aujourd'hui les trains Paris-Lyon par TER, entre, je crois que c'est 5h ou 5h30 le trajet, contre moins de 2h pour un TGV, ils sont pleins. Ouais, ah oui. Voilà. Ouais, c'est marrant. Et puis on a assisté au retour des trains de nuit aussi qui sont. Le retour des trains de nuit, on est en train d'y assister. Alors, c'est du retour
un peu en trompe-l'œil. Là, je lisais l'autre jour une annonce gouvernementale sur le retour du train de nuit Paris-Lourdes. Genre, on recrée le train de nuit Paris-Lourdes, super. Bon, concrètement, il a été supprimé en 2017 par ce même gouvernement. Donc bon, la prise de recul face au discours politique et face au discours de manière générale, je pense qu'elle est un petit peu nécessaire sur ces questions de recréation. Mais effectivement, sur le train de nuit, ça phosphore beaucoup. Et ça phosphore à échelle européenne aussi. Voilà, parce que l'Autriche, par exemple, relance ses trains de nuit avec du nouveau matériel, plus confortable, plus adapté, et on s'aperçoit que ça marche, ouais. Parce que les gens, il y a une attente. Ouais. Voilà, ne serait-ce que pour économiser une nuit d'hôtel sur un Montpellier-Paris ou un Nîmes-Paris, par exemple. Ouais, bien sûr. Et alors, historiquement, la France, c'est un pays particulier pour le train, ou en fait, ce qui s'est passé dans le développement de la voie ferrée en France et ce qui s'est passé dans les autres pays aux alentours. Ça, c'est assez difficile à dire. En termes de distance de voies qui ont été construites, la France est ouais. un grand pays à l'échelle européenne. Non. En termes de maillage et en termes de densité du maillage ferroviaire, pour le coup, voilà. Là, je remets la carte. On est quand même sur une certaine densité. Ouais. Et c'est la précocité aussi qui fait la particularité. On a commencé très tôt. Alors on a commencé très tôt, Anglais, mais... voilà. Mais les Anglais et nous, si tu veux, c'est les réseaux les plus denses. Oui, parce que c'est vrai qu'on pense TGV, etc., voies ferrées, ouais. Mais bon, les premières voies ferrées en France, c'est quand même à l'époque de Charles X ou de Louis-Philippe, quoi. Donc c'est ça. À l'époque où il y avait encore des rois en France. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous montre toute la qu'on est vraiment sur un objet historique qui s'inscrit dans une période longue. Tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, non, on a bien plaisir. Entendu pour les Nîmois ou les Gardois qu'il y a vraiment une visite à faire au musée. C'est le musée du chemin de fer ? Voilà, le musée du chemin de fer de Nîmes, qui, ouais. Qui est situé au bout du boulevard Talabo, là où il y a le dépôt TER. Ouais. Voilà. Donc à côté de la voie ferrée, pour le coup. Hein, à côté de la voie ferrée, tout à fait. La route d'Avignon. Voilà. Écoute, moi je l'ai bien noté, en tout cas j'irai le voir, parce que ça fait un petit moment que je passe devant et que je me dis que j'irai le voir. Donc merci beaucoup pour ces éléments. Alors pas trop de questions sur le chat, n'hésitez pas si vous en avez avant la fin de l'émission. Est-ce que tu as des conseils de lecture? Donc tu nous as amené ce pavé là sur l'histoire de la SNCF, l'histoire des chemins de fer. L'histoire des chemins de fer en France, bon effectivement c'est la référence du point de vue institutionnel. Alors, c'est le tome 3. Hein, c'est le tome 3. Ouais, donc, c'est en fait les deux premiers, donc ça commence en 1827, ouais. Voilà, la première ligne. Et là, bon, c'est un historien de l'économie qui a compulsé les archives de la direction générale de la SNCF. Donc on est sur de l'histoire institutionnelle, c'est ouais, relativement c'est aride, ouais. Voilà. Mais c'est la Bible du point de vue institutionnel. Après, il y a pas mal d'études locales aussi qui peuvent être intéressantes. Voilà. Des références cinématographiques sur le train qui... Alors, il y a plein de films sur le train, hein, mais, ouais. Mais des choses qui sont intéressantes du point de vue historique. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la bataille du rail, ouais, de René Clément, bien sûr. Sur donc la résistance des cheminots pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce voilà. Que c'est vrai qu'en plus, on a tendance à présenter SNCF comme un outil de collaboration, mais bon, les choses ont été un petit peu plus compliquées. Tout à fait. Mmh. Et puis, il y a l'histoire institutionnelle, SNCF, la compagnie, les décisions prises en direction centrale, et puis il y a concrètement ce que font les cheminots sur le terrain. Ouais. Voilà. Ouais. Qui peut être assez différent. Et ouais. Bon, moi, c'est tout ce qui m'intéresse comme historien, finalement, parce que l'histoire institutionnelle, c'est bon, c'est fait. Tout est écrit. Voilà. Par contre, l'histoire de l'application de ces décisions sur le terrain et comment les cheminots font avec les règlements, les décisions, etc. Ça, c'est tout un champ de recherche qui est fantastique. Voilà. Ouais. Une histoire sociale de gens qui sont encore là, quoi. Et donc, on peut également te lire, bien sûr, et lire tes articles. Et t'écouter, ouais. Présenter. Donc, tu me disais que tu serais à Lyon, là, justement, après-demain. Ah bah oui, si j'annonce les dates de la tournée, voilà. Lyon demain soir, pour aller parler de tramway. Ouais. Et puis, après, il y aura d'autres dates. Et si un article apparaître dans la revue en ligne Patrimoine du Sud, mmh. Voilà, sur justement les enjeux d'archives du chemin de fer, mmh.
Et bon, après, voilà, je suis au début d'un projet de recherche, donc peut-être qu'il y aura des livres qui viendront, mais il faudra attendre quelques années quand même. Tu reviendras pour nous en parler dans l'émission, j'espère. Tout à fait. Pour une prochaine fois. Ouais. Bon, on arrive au bout. Louis, avant tout, merci beaucoup d'être venu. Alors peut-être que tu finiras par nous présenter un objet que tu ne t'as pas présenté à l'heure. Tu voulais la corne d'appel de la Compagnie du Nord. C'est ça. Donc bah oui. on va faire une petite entorse aux règles sanitaires et te permettre d'enlever ton masque pour nous faire entendre cette corne donc de la Compagnie du Nord. Voilà, Compagnie du Nord, parce qu'il y a marqué Nord dessus. Donc on est avant 1837, là, pour le coup. Donc on est avant 1937, effectivement, et on est à un moment, m'a dit Jean-Paul Pignet, où les sifflets, qui étaient donc l'outil principal du chef de gare, commencent à tomber un petit peu en désuétude, parce que n'importe qui peut avoir un sifflet. Mmh. Alors qu'une corne comme ça, n'importe qui en a pas. Ouais. Voilà. Donc on va écouter cette corne. Tout à fait. Bon, c'est difficile de faire de la musique avec, hein. On est bien d'accord, mais... Ouais, j'avais essayé le générique de Kaamelott, mais ça n'a pas marché. C'était un petit peu plus compliqué. Bon, ben merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouvera dans 2 semaines avec un nouvel invité. On va parler de toute autre chose parce que c'est un invité international pour la première fois, un invité québécois. Mais oui. Qui nous parlera de l'histoire justement de la belle province. Et donc ça va nous faire voir des choses assez différentes. Mais bon, c'est bien l'objet de cette émission, de nous faire découvrir l'histoire sous des angles nombreux. Donc c'est avec ce petit coup de corne qu'on arrive au bout de l'émission. Merci encore Louis, et donc je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine émission de Le Roi de l'Histoire. Et ben, merci à toi Nicolas, et merci à tous pour votre attention. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée.